Et à la une de cette édition ce vendredi, on revient tout d'abord sur la fête des voisins qui était organisée hier un peu partout dans la métropole lilloise. Le centre social Marcel Bertrand s'était pour l'occasion associé avec le bailleur social LMH, la ville de Lille et plusieurs associations locales pour accueillir les résidents de ce grand ensemble de Lille-Moulins. Des activités comme des jeux gonflables ou un tournoi de football étaient prévues pour s'amuser et partager un moment de convivialité autour d'un barbecue. Malheureusement, tout le monde n'a pas répondu présent à cette 13e édition de la fête des voisins hier, malgré près de 800 habitants dans cette résidence Marcel Bertrand. Seule une dizaine de personnes ont osé rejoindre le rassemblement. Un climat quelque peu morose dans la résidence et un certain manque d'humanité que dénoncent certains habitants, d'où au final une belle initiative tout de même pour contribuer au rapprochement entre voisins. Écoutez notamment l'un des responsables, coordinateur jeunesse du centre social, Maki Talmouti, au micro de Christelle Dordain. Ce type de manifestation, je pense que à l'heure actuelle, on en a besoin. Les familles sont de plus en plus en difficulté. Ils ont besoin un petit peu de ce type d'animation pour pouvoir être rassurés, pour favoriser le bien-être de ces habitants. On a besoin de ce type d'animation parce que ça permet, un, d'être rassemblés, d'être unis et d'oublier un petit peu ces soucis.